Souhaiter la bienvenue à l'abbé Jean Gilbert,
pour avoir accepté de se joindre à nous pour ce temps de communion, de prière, mais aussi et surtout d'action de grâce. Action de grâce, disais-je, parce que nous avons vécu pendant 9 mois pour une année pastorale. Une année qui a été riche en événements, mais aussi accrochée avec des événements peut-être douloureux que nous avons pu vivre dans nos communautés. Quand on arrive à la fin d'une année pastorale, moment de bilan donc, c'est un temps assez délicat, un temps qui demande beaucoup de courage, comme le disait le père chancelier, courage pour se regarder, courage pour regarder l'autre, courage finalement pour découvrir la grandeur et la délicatesse de Dieu dans nos vies, mais aussi courage pour affronter et transcender ce qu'on a vécu de négatif, pour finalement pouvoir se mettre dans les dispositions nécessaires pour continuer la mission du Christ. Oui, le Christ nous appelle, il nous envoie en mission, il nous donne les moyens. Chacun de nous a essayé de rendre tel qu'il a pu. Ainsi donc, nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur à travers cet arrêt, ce retrait dans le désert, ce retrait sur la montagne qui sollicite notre intériorisation. Ainsi donc, le révérend Monsieur l'abbé Jean Gilbert nous a proposé comme thème qui me semble être très profond pour la dynamique pastorale de notre diocèse, mais aussi et surtout pour une méditation pendant la période des vacances. Période de vacances, période de repos, de changement d'activité, de sortie, de visite familiale, de visite amicale, mais aussi période, mais vraiment de ressourcement. Profitons donc à travers cette recollection et le thème qui nous est proposé, à savoir solidarité d'une équipe presbytérale pour une pastorale d'ensemble dans la dynamique de la synodalité. Synodalité, oui. Mission, oui. Communion, oui. Service, oui. Mais pour l'instant, méditation, retour au fond de soi. Merci, Monsieur l'abbé, pour la disponibilité. Merci, chers confrères, chers frères, chers fils, pour avoir arrêté la mission confiée dans nos paroisses pour être en communion avec tout le diocèse. Que le Seigneur donc nous bénisse, nous accompagne, nous accorde les grâces dont nous avons besoin et nous donne la force de passer ce moment de repos comme des véritables enfants de Dieu qui s'apprêterait pour commencer une nouvelle année, je veux dire à partir de octobre prochain. Merci pour votre venue, soyez les bienvenus et que le Seigneur nous accompagne. Merci.